Bonjour à tous, goedenavond iedereen. Welkom voor uw aanwezigheid. Merci d'être présent. On est déjà une bonne cinquantaine de connectés. Ik hoop dat er nog een heel aantal mensen ook bij komen. Welkom bij deze online pitch sessie. Nous sommes du coup, heureusement mais malheureusement, encore une fois en ligne cette fois-ci. On espère que la prochaine fois, ce sera en présentiel à l'Impact House, dans une bonne ambiance. Deze avond zal tweetalig zijn, dus ik zal zowel het woord in het Frans als in het Nederlands nemen. Stel gerust uw vragen in het Nederlands of in het Frans. Comme je disais, c'est une soirée bilingue. Prenez donc la parole dans la langue de votre choix. On y répondra également dans votre langue, puisque l'ITA est bilingue. Pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas encore bien l'ITA, je vais vite vous refaire un petit résumé. L'ITA, nous sommes donc la plateforme d'investissement à impact en Belgique. Tous les ans, on propose une quinzaine, une vingtaine, ça augmente d'année en année, des campagnes pour lever des fonds pour des entreprises à impact positif sur la société, l'environnement, la culture. C'est le but, via l'ITA, de pouvoir venir démocratiser la finance, l'investissement, et de la rendre beaucoup plus transparente, de la rendre connectée à un monde réel qui nous importe tous et qu'on souhaite voir évoluer aujourd'hui et demain. Hoe werkt het op Lita? Het is niet enkel een campagne dat op ons platform wordt geplaatst. Het is ook een hele analyse dat doorgevoerd wordt door onze in-house analistenteam. De analyse wordt ook dan doorgenomen, geanalyseerd en gevalideerd door twee investeringscomités. Enkel wanneer het gevalideerd wordt, gaan de campagnes ook live op ons platform. Une fois donc les campagnes ont donc été analysées et validées par nos comités d'investissement, elles se retrouvent sur la plateforme. C'est à partir de ce moment-là que je me charge d'ailleurs, avec le reste de l'équipe de l'ITA, de mener à bien ces campagnes. Ensuite de ça, l'ITA reste présent. Nous avons tout un service tout au long de l'année dont vous avez peut-être déjà été en contact ou bien vous le découvrirez, j'espère. On reste présent pour vos questions. On est présent pour organiser les assemblées générales, pour vous aider pour les attestations fiscales, pour le versement des intérêts obligataires. On est présent via le chat, via les mails, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Pour ce soir, c'est donc une soirée de pitch en ligne, c'est un online pitch ici. Hoe gaat het werken? Elke ondernemer heeft 5 minutes om te pitchen. Het zal kort en bondig zijn, zeker interessant ook zijn. Na de 5 minuten zullen er vragen zijn. U kunt al uw vragen stellen in het tabblad Vragen dat u rechts of links, afhankelijk van uw scherm, ziet verschijnen. Ik zal daar 1 of 2 vragen in pikken en live ook vragen aan de ondernemers. Donc, comme je disais, vous pouvez poser des questions pendant la présentation dans l'onglet Questions que vous voyez apparaître ici sur le côté. Le chat, c'est uniquement pour parler. Les questions, c'est dans l'onglet Questions. Je viendrai sélectionner une ou deux questions à poser ensuite en direct à l'entrepreneur. Vous pouvez voter pour les questions. Si jamais vous voyez une question intéressante, n'hésitez pas à voter. Comme ça, je la prendrai peut-être plutôt en compte qu'une autre. L'équipe de l'ITA se chargera de répondre à ces questions du mieux qu'il peut et l'entrepreneur viendra lui-même aussi parcourir ces questions et y répondre. Enfin, vous verrez également en fin de présentation les raisons d'investir apparaître sur votre écran et un petit sondage vous sera proposé également en fin de présentation. Si le cœur vous en dit, répondez-y. Ça nous donne un bel aperçu également. Donc, comme je le disais, vous avez un chat à votre disposition. Les questions sont dans l'onglet Questions et les sondages sont dans l'onglet Polls. Zoals ik het dus juist zei, de chat is er om even te spreken. De vragen die u zouden hebben tijdens de presentaties worden in het tabblad Vragen, dus Questions gesteld. En de polls zullen dan in de poll tabblad verschijnen.
We gaan dus nu direct van start gaan. Onze eerste ondernemers zijn de ondernemers van Marie Poppies. Donc les premiers entrepreneurs qui vont nous rejoindre sont les entrepreneuses, pardon, de Marie Poppies, qui sont Marie et Valentine. Bonsoir Valentine. Bonsoir Madeleine. Et voilà, Marie également. Elles vont donc vous présenter cette entreprise qui s'attaque au secteur de la fleur coupée. Je vous laisse avec elles et je vous dis dans un instant. Bon pitch. Merci Madeleine. Donc bonsoir à tous. Nous sommes là aujourd'hui présents pour vous présenter Marie Poppies. Donc on est la marque de fleurs éco-responsables en Belgique. Alors pour ceux qui voilà. Pour ceux qui ne sont pas au courant, l'industrie des fleurs coupées traditionnelles est vraiment un désastre pour l'environnement. Pour vous donner trois faits assez rapides, la majorité des fleurs en fait qui viennent en Belgique, qui sont vendues en Belgique, viennent soit par avion frigorifié du Kenya ou de Colombie, soit alors sont produites sous serre chauffée en Hollande, ce qui a évidemment un bilan carbone assez désastreux. Un exemple super concret, c'est qu'un bouquet de 10 roses de fleurs importées est l'équivalent carbone d'une place dans un vol Paris-Londres, ce qui est assez conséquent évidemment. Deuxième fait, on utilise énormément de pesticides dans ces industries traditionnelles, ce qui a un impact direct évidemment sur l'appauvrissement des sols ou alors sur la biodiversité comme les abeilles. Et enfin, l'université de Jean Blou a montré qu'il y avait un lien entre l'utilisation des pesticides et le développement de maladies chroniques chez les producteurs et les fleuristes. Alors, heureusement, il y a quand même une bonne nouvelle. Il y a de plus en plus de productions horticoles éco-responsables qui naissent et se développent en Belgique. Mais pour l'instant, les citoyens y ont très peu accès parce qu'en fait, les fleuristes doivent se rendre chez énormément de petits producteurs pour avoir une offre suffisamment large et variée de fleurs. Voilà, donc en fait, c'est là que ça nous a convaincus qu'il fallait créer un business comme Marie Poppies, un business qui finalement rendait la fleur belge et durable accessible à tous. Donc, on a lancé Marie Poppies tout d'abord avec une activité qui est l'activité de grossiste de fleurs éco-responsables. À savoir donc, en fait, on vend des fleurs en ligne aux fleuristes belges. Ces fleurs, elles proviennent d'un réseau de 13 producteurs belges et durables et qui nous livrent les fleurs une fois commandées par des fleuristes. Nous les trions et les livrons aux fleuristes. Notre deuxième activité, qui est une extension de l'activité B2B, c'est un e-commerce de bouquets. Donc, en fait, les particuliers peuvent commander en ligne sur notre site des bouquets de fleurs Marie Poppies, bouquets qui sont réalisés par nos fleuristes partenaires et qui sont livrés par Urbike. Voilà, alors, plus d'infos sur l'activité de grossiste. Donc, je répète, en fait, on vend des fleurs aux fleuristes qui viennent de production belge et durable, des fleurs fraîches, mais aussi des fleurs séchées, d'un réseau de 13 producteurs, fleurs qui sont disponibles chaque semaine sur notre site internet et qui peuvent être collectées deux fois par semaine à notre local ou livrées chez le fleuriste. Donc, en fait, en 2020, en année de Covid, on a eu un chiffre d'affaires de plus de 17 000 euros et on a permis, par substitution, d'épargner à la planète l'émission de 65 tonnes de CO2. En 2021, on a recommencé la saison début avril et on a déjà un chiffre d'affaires, donc à l'heure d'aujourd'hui, de 18 000 euros. Voilà, et comme vous l'expliquez, Marie, l'idée, en fait, avec cette activité d'e-commerce, c'est vraiment de faire une extension de notre activité de grossiste, donc de pouvoir permettre, en fait, à nos fleuristes partenaires de vendre des bouquets supplémentaires réalisés avec des tiges Marie Poppies qui seraient délivrées à vélo. L'idée, c'est vraiment d'avoir un chiffre d'affaires en plus et de pouvoir atteindre un volume intéressant pour que chacun puisse avoir accès à la fleur éco-responsable. Pour ce faire, on travaille avec 5 fleuristes partenaires. Les bouquets sont disponibles du mardi au samedi et on a lancé cette activité en mai de cette année-ci. Alors, qui on est ? En fait, Valentine et moi, on est une équipe de deux personnes finalement super complémentaires, que ce soit au niveau de la personnalité ou au niveau de l'expérience professionnelle. Personnellement, j'ai toujours voulu lancer un business qui réponde aux challenges de la compétitivité, mais aussi de l'impact positif. Et je bénéficie d'une expérience dans l'agroalimentaire. Et Valentine m'a rejoint quand j'ai en fait voulu donner de l'ampleur au projet. Elle a super bien fait ça parce qu'elle est super bosseuse et elle est super structurée. Elle est tombée amoureuse du projet, tombée amoureuse des fleurs. Et elle profite d'un large réseau de Solvay et d'une expérience en management multi-parties.
Alors, au niveau financier, comme vous pouvez le voir, nous sommes en bénéfice en année 3. Donc, le chiffre d'affaires comprend non seulement les ventes de bouquets, mais également les ventes de tiges. Donc, ça augmente d'année en année. Ce plan financier prend en compte en fait la levée de fonds de 250 000 euros. Donc en fait pour l'instant on est vraiment très centralisé, on a centralisé nos activités sur Bruxelles et l'idée en fait c'est qu'on voudrait pouvoir être au national avec la levée de fonds dont Marie va vous parler dans un instant. Voilà, comme Valentine le disait, on a lancé la levée de fonds. Merci Lita. On espère atteindre un montant de 250 000 euros en equity. On a déjà atteint 104 000, on est un peu plus qu'à 103 000 maintenant. Et voilà, le ticket minimum est de 100 euros et on sera super heureux d'avoir de nouveaux actionnaires, mais aussi des ambassadeurs à bord. Merci. Merci à vous. Merci Marie et Valentine pour votre speech, juste dans le timing. Oui. Parfait, merci de vous être prêté au jeu. Ce n'est pas évident, mais vous avez fait ça très bien. J'ai deux petites questions pour vous qui remontent ici. Une première que j'ai eue d'un autre investisseur, mais je pense que l'aspect de la fleur en hiver est une question qui est assez intéressante et qui représente évidemment toute une partie de l'année. Et donc aussi en termes de chiffre d'affaires, j'aimerais vous savoir si vous pouviez nous éclairer un petit peu par rapport à cet aspect-là. C'est une très bonne question. Donc, en fait, on est déjà en train en fait de développer une offre d'hiver, donc avec des fleurs qui sont finalement beaucoup plus présentes en hiver et pour le reste du temps, comme des hélébores, des violettes, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler avec les producteurs qui devraient arriver d'ici 2023. On essaye aussi maintenant avec les producteurs de pousser à la production sous serre non chauffée pour pouvoir avoir des fleurs plus tard dans l'année ou plus tôt dans l'année. Mais on développe aussi sur le côté une très large offre de fleurs séchées, qui sont aussi durables et éco-responsables. D'accord, merci. Il y aura des fleurs même cette année-ci. Hein. C'est juste que ça met du temps avant de pousser. Parce que quand on dit 2023, il y aura des fleurs même en 2021 cet hiver. Merci. D'accord. Et alors, je vais prendre ici. Donc, je dis à tout le monde, on répondra à toutes les questions après. Donc, voilà, je prends des questions au fur et à mesure. J'ai Fabien qui nous pose la question du prix de vente de référence d'un bouquet en comparaison avec un fleuriste traditionnel. Quel est le prix de vente, pardon, de référence d'un bouquet en comparaison d'un fleuriste traditionnel? Et donc, nos bouquets sont par rapport à la livraison, ils sont un peu plus chers parce qu'on livre à vélo. Donc, on a un coût de livraison de 10 euros et pas de 5 euros puisque c'est pas fait en voiture. Donc, ça, c'est le premier point. Mais par rapport à nos bouquets, le prix d'un bouquet, je dirais que c'est 2-3 euros en plus. Et mais pas plus parce qu'il n'y a pas besoin de fondamentalement mettre un prix plus cher pour ça. D'accord, très bien. Je vous invite donc Marie et Valentine à venir parcourir les questions qui sont posées dans l'onglet questions. Et Lita viendra également passer dans ces questions pour s'assurer que tout le monde ait des réponses. Et donc, je vais me permettre de vous sortir de scène maintenant pour accueillir les prochains. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci à vous. Alors voilà pour le premier speech qui était Marie Popis. Je vais vous inviter du coup à écouter maintenant Geoffroy de Smart World qui va prendre la parole et que j'invite donc sur scène. Bonsoir Geoffroy, pour un pitch et on va lancer le timer d'ici une seconde. Je te laisse te préparer, lancer ta présentation. Ok, est-ce que vous voyez bien l'écran? Alors, ben bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire de Smart World, qui a l'ambition de transformer le marché du smartphone reconditionné en le rendant responsable et transparent et qui ambitionne également de devenir un acteur européen de référence. Alors, je m'appelle Geoffroy Van Humbeek et j'ai fondé Smart World en juillet 2018. Suite à un master en économie à l'ULB, je suis directement parti travailler à l'étranger. Une aventure qui a duré 10 ans, dont 6 passés en République démocratique du Congo. J'y ai vu ce qui y était importé ainsi que les conditions de travail dans les mines. À mon retour en Belgique, j'ai voulu capitaliser sur l'expérience acquise afin de développer une activité qui soit positive pour l'environnement et pour la société. J'ai découvert que le secteur du smartphone reconditionné est malheureusement très opaque et fortement dominé par les brokers. Cette carte permet d'avoir un aperçu des flux des appareils reconditionnés dans le monde. Les appareils collectés localement en Belgique sont exportés dans des pays en voie de développement, souvent de manière illégale,
y engendrant un risque de pollution des sols, en plus d'être mauvais pour la société et l'environnement, cette organisation de marché ne crée pas ou très peu d'emplois ou de valeurs localement. Notre solution passe par l'intégration de la chaîne de valeur localement en plaçant l'impact au centre de notre modèle. C'est bénéfique pour la société et l'économie locale, avec notamment la création d'emplois. C'est également bénéfique pour l'environnement car nous travaillons en circuit court et nous avons un taux de remise en circulation des appareils plus élevé que dans le modèle dominant actuel. Nous offrons également aux entreprises de faire une action RSE concrète et impactante grâce à leurs anciens appareils. Concrètement, nous collectons des smartphones et tablettes auprès d'entreprises et de particuliers en Belgique. Nous les traitons dans nos ateliers à Genval, en Brabant Wallon. Une partie est revendue au sein de l'Union européenne auprès de l'utilisateur final uniquement, garantissant la traçabilité de chaque appareil de bout en bout de la chaîne. Une autre partie est redistribuée gratuitement via notre Fondation pour l'inclusion digitale auprès de personnes souffrant de la fracture numérique en Belgique. Concernant la vente, nous avons la possibilité de mettre en vente notre stock simultanément sur plusieurs places de marché et sur notre site web. Nous développons également la vente directe aux entreprises en Belgique. Le marché du smartphone reconditionné est en croissance. En France, la croissance annuelle y est de 7%. Le nombre de smartphones reconditionnés vendus représente environ 10% du nombre total de smartphones vendus dans l'Hexagone. Et voici l'équipe. Diplômée en environnement, Jules a d'excellentes compétences en IT et en organisation. Diplômée de la LSM, Gauthier aime gérer des équipes et trouver des solutions à des problématiques très concrètes. Diplômée également de la LSM, Sylvain a un profil polyvalent. Diplômée de l'EM Lyon, Camille a une excellente capacité relationnelle et organisationnelle. Diplômée de Solvay, Raphaël est en charge de structurer notre développement et suivre nos finances. Amaury, doctorant en machine learning, et Cédric, ingénieur civil en informatique, sont les deux personnes qui développent nos applications et outils de pricing. Diplômée de l'IEX, Katia a un haut degré de maîtrise des outils de design et une forte empathie. Notre stratégie de croissance passe par l'établissement de partenariats. Les deux premières années de notre activité ont été mises à profit pour créer un écosystème autour de nous. Ici, vous voyez un échantillon des partenaires qui nous font déjà confiance pour le traitement responsable de leurs smartphones et tablettes. Nous développons également des partenariats stratégiques avec certaines organisations. Notre écosystème comporte également des acteurs très divers. Nous avons également développé des outils afin de soutenir notre croissance. Odoo est utilisé pour la gestion du stock, la fracturation et la gestion des contacts avec les clients particuliers. Nous utilisons Channel Engine pour diversifier et automatiser nos canaux de vente. Salesforce est notre outil pour suivre les contacts avec le B2B. La SmartApp est une application qui va permettre de faciliter la collecte des anciens smartphones auprès de particuliers. Tools est une application mobile que nous développons et qui va nous permettre de digitaliser nos process et récolter des données afin de les optimiser. Nous avons vendu 1100 appareils en 2020 pour un chiffre d'affaires de 154 000 euros. Pour les 5 premiers mois de 2021, nous sommes en ligne avec les chiffres prévisionnels de notre plan financier pour la même période. Vous voyez ici notre prévision de chiffre d'affaires. Notre marge brute croît de 37 à 45% de nos ventes. Nous prévoyons un EBITDA positif à partir de 2022. Graphiquement, vous pouvez voir ici la croissance du chiffre d'affaires sur 4 années. La valorisation de SmartWorld était établie à 1 200 000 euros. Le montant maximum recherché est de 400 000 euros. Le tax shelter est applicable. Nous émettons des actions. Il est important de noter également qu'il y a une clause d'ajustement prévu dans le pacte d'actionnaires en faveur des actionnaires Lita s'il s'avère que la valorisation était trop optimiste et vice versa. Merci. Merci Geoffroy pour ce pitch également parfaitement dans le timing, super agréable. Alors, j'ai deux questions ici qui nous ont été posées. Une d'abord par Dominique Carlier qui, je te la cite, « Umicore a toute une filière de collecte et démantèlement des appareils pour récupérer les matières premières. Pourriez-vous collaborer avec eux pour éviter cette destruction ?» Oui, tout à fait. Effectivement, lorsque l'on n'arrive plus à reconditionner les appareils, il y a toute une partie effectivement de déchets qui repart indirectement chez Umicore. Donc, à un moment donné, quand le volume sera suffisant que pour justifier un partenariat en direct, il est certain que nous le ferons. Mais de toute façon, en Belgique, les déchets électroniques repartent donc chez Umicore.
D'accord. Et alors, je profite de l'occasion pour vous présenter bonjour. Raphaël, qui est donc l'associé de Geoffroy, qui a rejoint sur scène pour répondre également. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur la question sur Umicore, Raphaël. Oui, donc tout à fait. C'est avec des petits volumes de matériel, on ne peut pas passer directement vers Umicore. Mais on travaille donc avec un intermédiaire qui lui ensuite va travailler avec Umicore. Donc finalement, on travaille déjà actuellement avec nos déchets vont déjà actuellement chez Umicore, mais via un intermédiaire avec qui on travaille. D'accord. Et alors, j'ai une deuxième question qui nous vient de Christophe, qui pose la question en néerlandais. Je vais vous la traduire rapidement. Le fait de reconditionner des téléphones portables demande énormément de travail manuel, ce qui est donc coûteux. Comment est-ce que vous allez donc gagner de l'argent en espérant du coup ne vendre pas de téléphones trop chers pour que vous soyez aussi en adéquation avec le marché? Bah, il faut savoir que l'élément différenciateur par rapport à tout le reste du marché, c'est que nous intégrons la chaîne de valeur entièrement. Donc, nous sommes ceux qui collectons à l'origine, nous sommes ceux qui reconditionnons et nous sommes ceux qui revendons. Donc, finalement, on a le contrôle sur la chaîne de valeur. Il faut savoir que notre marge unitaire dans le passé, enfin sur l'exercice précédent, est de 55 euros par smartphone, qui est beaucoup plus élevé en fait que la moyenne du marché. Et en fait, on peut se permettre d'engager des gens localement parce que nous intégrons justement cette chaîne de valeur. En comparaison, on pourrait imaginer en fait un broker qui va acheter des gros lots aux États-Unis ou en Chine. Et entre finalement la collecte initiale et lui, il y a 5 peut-être personnes qui prennent de la marge en fait au passage. Et c'est grâce finalement donc à cette intégration de la chaîne de valeur que nous pouvons engager des gens localement et être rentables. Ok, merci beaucoup du coup pour d'avoir répondu à ces deux questions déjà brièvement. Raphaël et Geoffroy, je vous invite donc à passer un coup d'œil dans le chat pour venir amener des éléments de réponse en plus, éventuellement parce que j'ai vu qu'il y a des choses qui s'étaient ajoutées par rapport à Umicore et des questions aussi sur où trouver vos appareils surtout. Je me permets donc de merci vous sortir beaucoup. De scène et merci bonne pour soirée. Votre pitch. Au revoir. Alors, c'était donc notre deuxième pitch et on va directement enchaîner avec une campagne en obligation qui se nomme Bambino. Et donc, je vais inviter Julien Van Beneden et Quentin Van den Bulg qui vont venir vous présenter donc Bambino. Je les invite à me rejoindre sur la scène dès qu'ils sont prêts. Et n'hésitez pas évidemment à tant poser vos questions dans l'onglet questions et à prendre part au sondage dans l'onglet Pulse. Je vous laisse la parole, Julien et Quentin. Le timer va se remettre en route d'ici une seconde. Bon pitch. Merci. Bonsoir à tous. Merci de votre intérêt. Je vais donc vous présenter Bambino, le Canteen Club, qui est la solution de restauration dynamique et durable pour les entreprises. D'abord, qui est derrière le projet? Donc, moi-même, Julien Van Beneden, mon associé Quentin Van den Bulg et Lara Van Cohenberg. Nous sommes trois personnes très complémentaires et donc actifs à 100% dans le projet. Alexandre Ponchon et Axel Cuborn sont nos associés non actifs et ils sont tous les deux multi-entrepreneurs, bénéficient de leur expérience et également fondateurs des coworking Silver Square. Le marché qu'on a décidé d'emprunter, c'est un marché très important, en quelques chiffres, donc 5 millions de clients potentiels par jour, 10 milliards d'euros par an. C'est un marché qui est très consolidé et avec des entreprises qui sont essentiellement des grands groupes mondiaux. Ben, notre envie, c'est d'amener justement un petit peu notre grain de sel là-dedans et de révolutionner ce secteur très emprunté. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Eh bien, nous créons des lieux uniques, des lieux de partage ouverts à tous et qui s'adaptent aux différents immeubles dans lesquels on s'installe. On crée une ambiance pour justement faire venir les gens à travers une cuisine faite maison, des buffets qui sont colorés, gourmands, faits par cuisinés par nos chefs tous les jours et ouverts tout au long de la journée. Donc, notre mission, c'est de créer vraiment, d'être le cœur battant d'un espace à travers deux axes qui est donc la cuisine durable et un service très attentif justement et une reconnaissance client.
On défend trois valeurs principalement, donc la joie, l'engagement et la durabilité. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être durable pour nous? C'est donc de cuisiner au quotidien pour garder le goût. On utilise énormément de végétaux, 80%. Surtout pour l'instant, au niveau du packaging pour l'emport, il est 100% compostable. Nous utilisons le buffet, un buffet au poids pour éviter justement les déchets et pour pouvoir satisfaire toutes les bourses. Nous travaillons avec des handicapés légers via des CAP. On prône le management collaboratif. Et au niveau de nos fournisseurs, on choisit des fournisseurs qui sont locaux et qui ont décidé de prendre le sens dans leur manière de fonctionner. On a le label Good Food qui nous permet d'avoir une charte qui justement permet de structurer tout cela. Notre vision est simple, on veut révolutionner le monde de la restauration d'entreprise en Belgique. On va ouvrir 6 espaces avec nos partenaires actuels Silver Square en 2021 et début 2022. On ouvre un atelier également de production à partir du mois de septembre qui va nous permettre de développer aussi une offre via des frigos connectés pour pouvoir développer notre production à travers d'autres réseaux. Et également, nous sommes en contact avec de nouveaux propriétaires immobiliers pour développer le concept à travers leurs immeubles. Je vais laisser la parole à Quentin pour pouvoir vous parler des chiffres. Bonsoir à tous. Donc, au niveau de tout ce qui est plan financier, donc on s'est surtout basé sur les chiffres qu'on a pu connaître lors de notre première activité près du restaurant qui se situe près du Chirec à Delta. Donc on a pu faire cette activité pendant 2 ans avant Covid. Donc, à cet endroit-là, on tournait sur un chiffre d'affaires moyen de 2 500 € par jour, dont un quart était représenté à peu près par du traiteur. Et ce restaurant dégage un EBITDA de 17% sans frais de groupe, donc sans frais de groupe qui sont liés aux frais de développement du concept. Au niveau des hypothèses qui ont été prises en compte dans notre business plan, c'est qu'on a 3 typologies de concepts différents. Donc les restaurants type corner qui vont être sur des petites surfaces et qui vont générer un chiffre d'affaires de 350 000 euros par an. Les restaurants moyens comme celui de Delta qui est un restaurant situé au cœur de l'immeuble un peu plus grand qui dégage environ 600 000 euros par an. Et un restaurant plutôt type commerçant qui est à Pignon-sur-Rue qui va dégager jusqu'à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Au niveau de notre business plan, on a surtout observé donc un besoin lors des 2 premières années de l'activité qui sont dues en fait au fait qu'on a encore peu de restaurants et on a des frais de développement assez importants pour développer notre marque, notre atelier et toute une série de choses liées à notre gros développement. Et donc en fait, ce besoin en cash s'exprime par un besoin dans une situation, on va dire, la plus pessimiste de 450 000 euros et dans un scénario économique est situé sur à peu près 270 000 euros. Et les fonds qu'ont apporté les associés sont de 215 000 euros. Au niveau de la situation actuelle, on suit relativement bien nos hypothèses. On est d'ailleurs dans une situation beaucoup plus positive qu'à l'époque, avec une trésorerie actuelle à 85 000 euros, alors qu'on devrait être plus bas. Et donc, notre cash flow est positif à partir de l'année 2023 et on arrive à s'autofinancer. Donc, merci pour votre attention. Donc, pour résumer, donc, nous recherchons actuellement un financement à travers l'État de 250 000 euros à travers des obligations à 7% par an. Vos questions sont les bienvenues. Merci, Quentin Julien. Ik zal het hier even in het Nederlands doen, omdat ik tot hier al telkens in het Frans was aan het spreken. Omdat ik ook een vraag hier heb in het Nederlands. Christophe vraagt ons gewoon van waar de naam Bambino komt. Donc, si vous pouviez un instant nous expliquer d'où vient le nom de Bambino. Alors, c'est une création collective. Disons que nous avons cherché un nom qui soit chantant, joyeux, qui soit prononçable aussi bien dans le nord que dans le sud du pays, qui évoque justement une cuisine colorée. Et donc, on veut que les gens, justement, viennent chez nous pour passer un bon moment. Et donc, que de mieux que Bambino, la chanson de Dalida, ça évoque plein de choses, plein de joie. Voilà. Merci. Alors, je vais prendre une deuxième question qui, je pense, en intéressera plus d'un. Dominique nous pose la question du taux d'intérêt qui est posé à 7% pour ces obligations-ci. J'aurais bien souhaité avoir quelques explications en plus.
Donc, au niveau du taux d'intérêt assez élevé, on a suivi aussi les recommandations du marché. Donc, il faut savoir que la plupart des obligations souscrites dans ce cadre de projet sont souvent autour des 8%. Donc, on a pu démontrer aussi avec nos chiffres qu'il y a une certaine expérience, une certaine rentabilité derrière le projet, ce qui explique un taux un peu moindre par rapport au marché. Le fait de devoir faire appel aux obligations vient de notre part de la volonté aussi de vouloir faire encore un peu maturer le projet avant de faire appel à des actions. Les obligations sont des instruments financiers qui sont accessibles pour nous en tant que commerce, en fait, dans l'Horeca, où les financements sont évidemment accessibles de manière un peu plus compliquée, d'autant plus tenant compte de la situation actuelle du Covid. Même si, au final, notre projet est quand même fortement sécurisé par des charges qui sont rendues très variables, donc pas de loyer fixe, pas de charges liées aux investissements qui sont prises par rapport par le propriétaire immobilier. Mais donc voilà, je dirais que le taux de 7% est très fort lié à un taux de marché qui nous a aussi été fortement recommandé par les équipes de chez Lida. D'accord, je vais enchaîner sur une toute dernière question parce qu'elle a beaucoup de sens également. Vous êtes pour l'instant fortement lié à Silver Square. Comment est-ce que vous pouvez grandir avec et sans? Je vous demanderai d'y répondre assez brièvement et puis de continuer dans le chat ensuite. Silver Square est un tremplin. Ça veut dire qu'on a fait le constat ensemble qu'il y avait un manque dans le marché. Donc, avec eux, nous pouvons prouver qu'on est capable de d'avoir une solution qui tient la route. On en ouvre 6 avec eux. Et là, on est sur 2 projets pour début 2022 avec d'autres propriétaires. Et parce qu'il est évident que nous voulons ne pas nous enfermer avec Silver Square. D'accord, merci. Je vous invite donc, Julien et Quentin, à venir regarder les questions qui sont apparues dans le chat. Merci pour votre présentation et une très bonne soirée à vous. Je vais vous faire sortir de scène. J'en profite, étant donné qu'on parle d'obligation, de vous informer ou de vous rappeler. Bonsoir Denis, je termine un instant avant de te laisser prendre la parole. Nous organisons un live meeting sur les obligations le 23 juin. On va vous mettre le lien dans le chat. Donc si vous avez des questions ou de l'intérêt pour les obligations, rendez-vous le 23 juin sur le temps de midi. Vous aurez Bambino et Aquasport qui suit dans un instant, qui vous présenteront le projet et les chiffres un petit peu plus en détail. Je laisse donc la parole à Denis Detine, qui vous présentera Aquasport, également un projet en obligation. C'est à toi, Denis. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne vois pas là pour l'instant le slide. Voilà, je vais le voir maintenant. Runa Vondra le mal. Hein, donc, je vais un peu nous présenter, puisqu'il y a quelque part un peu deux entités. Donc, la première entité qui s'appelle Promosport, qui est une ASBL sportive et ludique que j'ai créée dans le cadre de mon mémoire à l'ICHEC en 2000 avec mon associé, donc, qui lui a fait éducation physique. Alors, j'en profite parce que je vois que Serge Dillon est là, tout à fait par hasard, il a été mon maître de stage et donc quelque part si on en est là aujourd'hui c'est un petit peu aussi grâce à lui. Donc Promosport en 2019 faisait un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros, on a 80 équivalents temps plein. En termes des activités, on a 3 grosses activités, l'extrascolaire et le parascolaire qu'on fait dans les écoles à partir de 15h30 principalement, les stages durant les vacances pour un 35% de notre chiffre d'affaires, on fait vraiment ça un peu partout en Fédération Wallonie-Bruxelles, et alors des cours de natation et d'apprentissage à la natation et d'aquafitness, et cela, ça représente environ 50% du chiffre d'affaires. Et donc là maintenant, on est en gros développement par rapport à nos bassins de natation, donc qui sont développés eux par la société HD Aquasport SRL, qui est donc une immobilière qui va acheter, rénover et construire des bassins de natation. Alors on s'est mis vraiment dans une niche, puisqu'en général un bassin de natation en Belgique est en déficit, et donc on crée des bassins de natation qui font entre 120 et 160 mètres carrés. Donc pour donner un exemple, par exemple c'est une piscine de 8 mètres sur 16, 16 mètres sur 8, avec 2 profondeurs, une petite profondeur à 70 cm pour l'apprentissage et à 1,35 m dans la grande profondeur pour tout ce qui est plutôt aquafitness. On pourra accueillir 2 classes à la fois dans la piscine, dans un environnement évidemment beaucoup plus sympa puisqu'on est à 32 degrés dans la piscine.
HD Aquasport va donc construire, rénover ses piscines, mais également s'occuper de toute la technique et de la logistique de ces bassins de natation. La marque derrière HD Aquasport s'appelle Aquacenter. Hein, donc c'est là, on va avoir accès à Aquacenter ici dans le cas qui nous occupe. C'est un bassin qu'on va construire à Lébonvillers. Donc c'est une collaboration avec la commune de Lébonvillers qui nous a vendu une partie de terrain au milieu d'un centre sportif. Et donc là, on va construire un bassin qui va s'appeler donc Aquacenter Lébonvillers. Et donc la technique va être la technique va être gérée par HD Aquasport et toute la gestion des cours va se faire à travers Promosport. En termes financiers, donc, on va avoir, on a la chance forcément d'avoir déjà une certaine expérience. Avec cette société-là, c'est le sixième bassin qu'on va construire. Donc, on a aussi une grosse notoriété, en tout cas, à travers Promosport. Toutes les inscriptions se font avant que la piscine ouvre. Et on a également un contrat avec la commune de Lébonvillers pour toutes les écoles communales qui font qu'on peut commencer l'activité en étant rentable directement. Et après une grosse année, on va arriver à une maturité au niveau des revenus. Donc, on va tourner aux alentours de 200, le chiffre d'affaires sera de 203 000 euros, avec donc un bénéfice, en tout cas en 2023, de 88 000 euros. Alors, combien ça coûte un bassin comme ça? Ça coûte 1,4 million. Donc, Promosport, HD Aquasport va mettre 100 000 euros. On espère lever ici sur la plateforme NITA 200 000 euros, ce qui nous permet d'avoir accès au crédit au niveau de la banque pour 1 100 000 euros. Cette piscine sera donc, le début de la construction est prévu ici en septembre 2021 avec une entrée. L'objectif est de pouvoir en tout cas commencer les activités l'été 2022. En termes d'impact, on va permettre à 1800 enfants, quelque part, de pouvoir suivre des cours de natation, principalement pour les maternelles et primaires, troisième maternelle, sixième primaire, aux handicapés également, aux groupes tels que Eneo, mais également, évidemment, des cours de natation privés ou collectifs, des cours d'aquafitness, où principalement les gens qui ont plus de 40 ans ont des problèmes de genoux ou de dos, l'aquafitness est une solution. On a évidemment essayer de dépoussiérer l'image de la dame un peu âgée avec son petit boudin pour faire vraiment des cours aussi très très sportifs. Ce sont des partenariats qu'on essaie d'établir avec les communes. Chaque piscine, on va créer entre 6 et 7 emplois qui sont des emplois stables, non délocalisables. Et en termes d'impact environnemental, on a entre 4 et 5 fois, je dirais même 6 sur certains autres grands bassins moins énergivores puisqu'on a un volume d'eau qui est beaucoup moindre à chauffer. Ces piscines, les piscines aussi actuelles ont été construites beaucoup dans les années 70-80 où on ne faisait pas trop attention à l'énergie. Évidemment, ici, on est avec des panneaux photovoltaïques, des ventilations double flux, des serpentins de récupération. Donc, tout est mis en œuvre pour récupérer un maximum d'énergie. On a également développé avec l'ENALUX, la Haute École Namur-Luxembourg, un automate qui nous permet de gérer 50 paramètres et donc de gérer, d'optimaliser toute l'énergie. Exemple, par exemple, pendant la nuit, il y a deux pompes qui tournent. Pendant la nuit, on va en faire tourner qu'une parce que quand il n'y a pas d'activité, ça suffit. Voilà en gros ce qu'on propose. On propose donc ici des obligations à 6% durant 6 ans. Et évidemment, vous pouvez aller voir les plans de la piscine qui se trouvent sur le site de l'ITA. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte de manière un petit peu plus concrète à quoi ça ressemble. Il y a également une petite vidéo qui montre nos activités. Et je suis à votre disposition pour vos questions. Merci, Denis, pour cette présentation. Étant donné que c'est une question qui était venue sur la campagne précédente, je vais également prendre les devants et te poser la question éventuellement si tu peux éclaircir la question du taux dans le cadre de ce projet-ci. Donc un taux à 6% ici, on considère qu'on a quand même déjà une certaine expérience aussi dans ce métier. On va aussi construire un bâtiment, donc c'est
quelque part quelque chose qui existera toujours. Imaginons le pire qu'on tombe en faillite, il y a toujours ce bâtiment qui vaut quelque chose. Donc on estime que le risque est moindre et que par rapport à ce dont on a discuté ensemble avec certains banquiers aussi, un taux de 6% est quelque chose de tout à fait correct dans le cadre des activités qu'on fait. D'accord. Et Dominique nous donne du coup une question supplémentaire par rapport à votre financement. Pourquoi pas simplement un emprunt bancaire classique pour de l'immobilier ici? Pourquoi du coup ce choix de diversification et de passer également par l'ITA? En fait, on a un gros plan de développement en 2019-2024 où l'objectif pour nous est de construire 30 bassins, en tout cas d'avoir 30 bassins signés, ils ne seront peut-être pas construits physiquement. Donc ici, on en construit 3 cette année. Donc on n'arrive pas à générer évidemment suffisamment de cash pour la banque nous demande entre 25 et 30% d'apport personnel. Eh bien ici, on va mettre 100 000, la plateforme 200, ben, ça nous permet de garder deux piscines supplémentaires, on va dire, dans les années qui viennent. Ici, on a 4 projets qui sont en cours pour 2022. Donc, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite dans notre plan de développement. D'accord, merci. Merci pour ta présentation, Denis. Bonne soirée. Et je vais donc te sortir de scène, je me le permets, pour laisser rentrer les prochains. Comme je le disais il y a un instant, les deux campagnes en obligation, donc Denis avec Aquasport que vous venez d'entendre et Julien, Quentin et Lara de Bambino que vous avez entendu un instant avant, sont en live meeting le 23 juin à 12h30. Le lien pour ce live meeting se trouve dans le chat. N'hésitez pas à vous inscrire si vous avez des questions, que ce soit par rapport au taux, par rapport aux chiffres, par rapport à l'impact, ils prendront le temps, étant donné qu'il n'y aura que 2 entreprises pour y répondre. Et je passe donc immédiatement la parole à Bertrand et Rémi de Coop, la coopérative qui mutualise les équipements pour des microbrasseries. Bonne présentation. Merci, merci. Bonsoir à tous. Donc l'aventure de la Coop a débuté il y a environ 1 an et demi, en janvier 2020, quand la brasserie Wheatloaf a lancé un appel à d'autres microbrasseries bruxelloises pour créer une coopérative. Suite à ça, 3 autres microbrasseries se sont greffées au projet, ce qui a résulté en la création de notre société coopérative il y a quelques semaines et en la signature de notre bail commercial la semaine passée pour notre local qui se situera donc dans le domaine de l'Arsenal à Etterbeek. Alors, qui est la coopérative? Qui est la Coop? On a 4 microbrasseries fondatrices qui sont derrière ce projet, la brasserie Wheatloaf, la brasserie Drink That Beer, la boulangerie-brasserie Janine et la brasserie 1B2T. Nous disposons d'une équipe aux compétences diverses et très complémentaires. Donc chaque microbrasserie a son propre microbrasseur ou sa propre microbrasseuse avec une expérience professionnelle. Et nous disposons également d'expertise dans différents domaines. Tout d'abord dans l'horeca. Adrien et moi-même avons ouvert notre propre café il y a 3 ans dans le centre de Bruxelles qui s'appelle le Caberdouche. Donc, on dispose d'une expérience significative en gestion de bar. De l'autre côté, nous avons une expérience en gestion de projet avec Rémi qui a travaillé pendant une dizaine d'années chez Alstom, moi-même à la Commission européenne. Nous disposons également de profils plus techniques avec des ingénieurs mécaniques, bio-ingénieurs, également une doctorante en biologie. Alors, qu'est-ce que la Coop ? Qu'est-ce que la Coop ? C'est la première coopérative de microbrasserie bruxelloise, tout simplement. Nous avons au cœur de notre projet, le cœur de notre ADN, c'est la mutualisation. Nous mutualisons non seulement les investissements, c'est-à-dire tout le matériel de production, etc., donc la salle de brassage, les fermenteurs, mais nous mutualisons également les coûts en mutualisant donc les achats de matières premières. Nous partageons nos expertises ensemble et nous mutualisons la logistique et partageons également un lieu avec un bar, enfin un espace de dégustation qui permettra de découler une bonne partie de notre production sur place, ce qui nous évite d'avoir des conditionnements supplémentaires. Alors comment est-ce que tout cela va être mis en musique? Tout d'abord en créant un business model innovant et solidaire qui permet en fait aux petites microbrasseries de payer moins que les grosses microbrasseries, parce qu'en fait on paye une cotisation mensuelle au prorata de l'utilisation des machines. Nous avons également veillé à diversifier notre chiffre d'affaires pour être le plus résilient possible à l'avenir. Donc nous avons développé différents canaux de chiffre d'affaires. Tout d'abord, les marges qui seront prises sur notre bar et sur le shop à emporter. Nous allons créer une sandwicherie qui vendra des sandwichs avec des produits locaux. Nous allons proposer une formation
à des stagiaires qui seront sensibles à l'univers brassicole. Nous proposons également une activité de brassin à façon, donc d'autres brasseries qui pourront venir brasser chez nous. Et enfin, cette cotisation que je mentionnais un petit peu plus tôt, que chaque microbrasserie paiera à la coop. Très rapidement, nous avions également à cœur de mettre en place une gouvernance démocratique, raison pour laquelle nous avons opté pour un statut de coopérative. Et enfin, nous nous inscrivons dans une démarche éco-responsable, comme Rémi va vous l'expliquer. Voilà, donc moi je vais passer sur le business model à proprement parler. Donc comme l'a dit Bertrand, on a mis un business model innovant et solidaire en place. Vous pouvez le voir sur le schéma ici. Donc dans les grandes lignes, il permet d'avoir une équité entre les brasseries et une solidarité qui permet de supporter celle qui produira le moins, et toujours en subvenant aux besoins de la coopérative elle-même. Donc dans l'ordre du process de fabrication, comme vous pouvez le voir, donc on a la mutualisation d'achat des matières premières, une mutualisation du matériel de production. On a un prix de vente des brasseries à la coop qui est proportionnel au coût des matières premières, puis un prix de vente de la coop au consommateur final qui, lui, est proportionnel au prix d'achat aux brasseries. Et enfin, chaque brasserie, chaque mois, devra payer une cotisation qui reprend le coût des matières premières utilisées et le coût d'utilisation des installations. Maintenant, je vais vous parler des chiffres clés. Donc ici, on peut voir dans le tableau le chiffre d'affaires qui est diversifié, comme l'a expliqué Bertrand. Vous pouvez voir également l'EBITDA qui est en constante augmentation, sauf en 2024 où on prévoit d'embaucher du personnel, et un ratio de solvabilité qui est bien supérieur à 20% dès le départ et qui évolue de manière positive également. En ce qui concerne les investissements, donc on a mis en place un mix financier dû au montant élevé de ces investissements. Ici, avec l'ITA, on organise cette levée de fonds afin d'investir dans le matériel de brassage, le matériel pour le bar et aussi des équipements pour la récupération d'énergie. Ce qui nous amène à ce schéma qui démontre la démarche éco-responsable qu'on veut mettre en place, avec l'utilisation de panneaux solaires hybrides pour produire l'électricité et de l'eau chaude, un système permettant de récupérer la chaleur du groupe froid pour chauffer l'eau également, un système permettant de récupérer le CO2 qui ne sera donc pas relâché dans l'air tout de suite, mais réutilisé dans le process un peu plus tard. Et autre point contre le gaspillage, la revalorisation des drèches en fin de processus grâce à des partenariats que nous mettons en place. Ici, le slide avec justement quelques partenaires et fournisseurs en exemple. Et enfin, le dernier slide, le plus important, donc le slide coopérateur, pour vous dire de nous rejoindre. Voilà, car en plus du tax shelter, vous pouvez voir ici les contreparties que nous pouvons vous proposer. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. Et on est là pour répondre aux questions éventuelles. Merci bien. Merci Bertrand et Rémi sur cette présentation qui tombe à pic pour l'apéro. Mais du coup, comme Dominique l'a posé dans le chat, dites-nous en peut-être plus sur une visite possible du lieu. Comme ça, on est au courant, évidemment. Bah, exactement. En fait, j'ai répondu dans le chat. Mais à partir de demain, tous les mercredis probablement, enfin, on va créer des events Facebook. Mais pendant tout le long de la levée de fonds Lita, on va créer des événements ponctuels qui visent en fait à réunir les coopérateurs et les personnes qui sont tout simplement intéressées par notre projet pour venir voir le lieu, le local dans lequel on va implanter notre microbrasserie coopérative. Voilà, comme ça, c'est toujours intéressant de venir voir avant même qu'il y ait eu les travaux et qu'on puisse communiquer en fait tout au long du processus. Donc demain soir à 18h, donc au domaine de l'Arsenal, nous ferons notre premier événement durant lequel vous pourrez voir le local. On vous expliquera, on vous montrera les plans et on vous fera évidemment goûter nos bonnes bières. Merci Bertrand. Est-ce que tu peux, du coup, vu qu'on a dû passer assez rapidement sur le dernier slide, peut-être présenter les contreparties qui étaient disponibles, outre le tax shelter qui est effectivement entièrement disponible pour cet investissement-ci? Rémi, ouais, je te laisse. En contrepartie, donc on a évidemment des ristournes sur les consommations. Donc dès que vous viendrez à la coopérative, si vous êtes coopérateur, vous aurez 10% de réduction sur vos consommations. On a aussi une activité qu'on propose, c'est le brassage à façon. Donc pour les petits brasseurs et ceux qui veulent produire en plus grand volume, ils pourront le faire chez nous. Et si ils sont coopérateurs, ils pourront aussi avoir cette ristourne de 10%. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien sûr, on a la possibilité de
d'avoir des dividendes capés à 6% dans le cas où tout se passe bien au niveau du business de la coop. Donc, si on a la possibilité, on pourra aussi donner des dividendes. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Bertrand ? Vas-y. On a donc le tax shelter et donc les contreparties énumérées par Rémi. Et au-delà de 10 000 euros, en fait, on permet à la personne de venir brasser sa propre bière avec un brasseur en ayant la liberté, en fait, de choisir le nom de sa bière qui sera vendue au bar de la coopérative. D'accord, merci. Et alors, je clôturerai par une dernière petite question sur les financements, les autres types de financement que vous recherchez pour le financement complet de votre projet, si vous pouviez dire un mot là-dessus sur ce qui viendra compléter le financement de l'État, okay, via l'État. Ouais. Nous avons donc les quatre brasseries fondatrices ont fait un apport significatif en capital de 30 000 euros chacune. On vise à lever 250 000 euros auprès de l'État. Ce financement-là sera complété par Coopus, qui est un instrument spécifique pour les coopératives de finance Bruxelles, à hauteur de 150 000 euros. Et enfin, notre financing mix sera bouclé par un emprunt bancaire auprès de Triodos et peut-être Crédal. On est en train de voir avec eux. Mais on a une garantie orale de Triodos qui nous suit depuis pas mal de temps. Donc voilà. En tout cas, le financement de l'ITA est vraiment un levier pour nous, car c'est cet investissement supplémentaire qui nous permet d'avoir un impact dès le début en investissant dans du matériel qui peut justement nous permettre d'économiser de l'énergie, comme l'a expliqué Rémi. Merci beaucoup Bertrand et Rémi. Je vous invite du coup à parcourir le chat pour voir les questions qui ont été posées, entre autres par Aymeric, concernant la coop. Il y a donc un événement dès demain. Le lien pour s'y inscrire et les posts Facebook se trouvent dans le chat et dans les questions. N'hésitez pas à aller leur rendre visite. Ça en vaut certainement la peine. Exactement. Merci beaucoup pour votre attention et on vous attend nombreux demain alors. Merci. Bonne soirée Bertrand. Bonne soirée. Et au revoir. Alors, je vais inviter sur scène le gérant de Little Green Box, Jabo Mutinzi, qui va venir vous parler du coup du développement de cette entreprise. Little Green Box is an undernaming the all in fundraising was drie jaar geleden op Lita en gaat nu haar diensten uitbreiden. Jabo gaat het nu allemaal uitleggen voor u. À toi, Jabo, je te laisse la scène. Merci Madeleine, merci pour cette introduction. Voilà, je vais prendre en main la présentation. Avant de commencer, je voulais tirer mon chapeau à tous les entrepreneurs qui sont passés avant moi parce qu'il y a vraiment des très très beaux projets et franchement, c'est très inspirant pour moi comme pour notre coopérative de voir qu'il y a autant d'initiatives, on va dire, à impact durable. Donc voilà, je voulais le dire, donc voilà, c'est dit. Pour résumer, parce que donc Little Green Box est déjà venu chez Lita pour se faire financer. C'est la deuxième donc levée de fonds. L'équipe a un peu changé. Peut-être pour résumer le concept de Little Green Box, je pense que tout le monde connaît bien HelloFresh. Donc c'est pareil, mais ce n'est pas pareil dans la mesure où ce qui différencie sans doute les deux entreprises, c'est pas ce qui est proposé, c'est plutôt les valeurs qui sont derrière. Voilà, la différence, elle est dans le fait que on fait nous des plats, des box repas en fait prêts à cuisiner. Donc on vous recevait chez vous un ensemble d'ingrédients avec des fiches recettes, mais voilà, tous les ingrédients et la façon dont ils sont amenés diffèrent quasiment de l'offre. Donc ceci étant dit, je vais peut-être juste partager les slides avec peut-être des chiffres clés pour un peu situer ce que c'est aujourd'hui Little Green Box. D'abord, j'ai mis un peu de photos pour que vous voyez un peu les humains qui se trouvent derrière cette entreprise. Donc là, c'est qu'une partie des gens qui ont de près ou de loin partagé l'aventure avec nous. Donc, je ne vais pas tous vous les citer. Ils sont de toute façon dans le dossier d'investissement si vous souhaitez les connaître. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a quand même pas mal de monde qui sont autour.
Et alors, j'ai mis quelques chiffres clés. Je pense que ça parle plus, on va dire, que peut-être vous expliquer exactement ce qu'on fait chaque jour. Et j'ai un peu regroupé en 4 points. Le premier, c'est notre impact social. 12 emplois, 12 personnes qui travaillent aujourd'hui au sein de Little Green Box. Si on arrive, en fait, à faire ces investissements-là, il faut savoir qu'on projette déjà au 1er juillet d'avoir 19 personnes chez nous. Et on arriverait normalement aux alentours des 30 personnes d'ici un an et demi. Donc voilà, c'est une entreprise qui est fort axée sur le développement local. Et donc nous, on veut soutenir les personnes qui viennent chez nous. On a un plan d'insertion de personnes qui sont en situation de précarité, on va dire, sociale. Et on essaie de les faire réintégrer le chemin donc, d'une vie sociale épanouie à travers l'emploi chez nous. Donc ça, c'est un projet qu'on a mis en place. Il y a déjà 2 personnes chez nous qui ont suivi ce chemin. Quand on parle de local et quand on parle d'engagement, donc on est engagé auprès de plus de 115 fournisseurs. On va dire, ici, ce sont tous des producteurs qui sont de la région du Brabant-Wallon ou un peu plus loin que le Brabant-Wallon aujourd'hui. Notre but, en fait, c'est vraiment de permettre à ces producteurs de pouvoir vendre leurs produits de qualité, puisqu'on est donc, nous, une box certifiée bio, il faut savoir. Et donc, c'est leur production bio la plus chère qu'ils nous vendent. Et nous, on est contents de ça. C'est vraiment ce qu'on cherche, c'est vraiment de soutenir ce commerce-là. Et on est en cours de labellisation d'un label qui s'appelle le label Prix Juste Producteur. Il faut savoir que depuis que Little Green Box a été créé, on n'a jamais négocié un prix avec un producteur. Et je vous avoue que les discussions qu'on a quand le producteur passe à l'atelier, ils sont un peu surpris parce que quand on ne leur parle jamais de prix. Donc, ça fait partie des valeurs et donc je tenais à le souligner ici. Un autre axe de développement du commerce local, c'est les points d'enlèvement qu'on les appelle, mais c'est des magasins partenaires. On essaie d'en développer un maximum. Donc, ça nous permet de déposer nos box dans différents points d'enlèvement. On a des projets avec eux qui sont en cours. Donc voilà, ça fait partie aussi du soutien au commerce local. On a l'amont et on a l'aval. Donc ça fait partie des choses qu'on fait. Et alors nos résultats, donc 90 000 contenants à usage unique. Si on atteint ce qu'on veut atteindre aujourd'hui, demain sera 250 000 contenants à usage unique qui sont évités. Je pourrais passer en revue le calcul, mais on a 5 minutes. Comment on calcule ça, on est même en dessous, je pense, de ce qui est réellement évité. Mais voilà, ça fait partie de nos engagements. Donc, on est aussi la seule box repas qui est zéro waste. Donc, voilà, c'est en tout cas presque zéro waste parce qu'on ne peut pas tout livrer sans contenant. L'autre élément, c'est les coopérateurs. On a 80 coopérateurs. Aujourd'hui, avec la levée qui est en cours, on risque d'atteindre plus ou moins 120 à 130 coopérateurs à la fin de cette levée. Donc, voilà, pour dire que l'organisation, en fait, a beaucoup de monde autour d'elle. Quelques points financiers. Moi, je suis à titre personnel réviseur d'entreprise, donc je ne vais pas passer trop de temps. J'ai pu résumer le revenu, mais si vous faites attention, vous voyez qu'entre l'année 3, l'année dernière et l'année 4, on est déjà en forte croissance. On doit soutenir cette croissance actuellement, donc c'est aussi un élément. Je vois que je n'ai plus que 7 secondes, donc je passe sur certains KPI clés. Et donc ici, peut-être rapidement les éléments qui sont à financer. Donc le projet, en fait, a pour objectif, en fait, la levée de fonds est pour acquérir des nouvelles activités, deux nouvelles activités. On veut, en fait, élargir le tunnel, si vous voulez. Donc on veut pouvoir permettre de distribuer encore plus de produits locaux. Et donc, pour ça, il faut pouvoir distribuer encore plus à des clients finaux qui sont sensibles à nos valeurs. Et ici, on avait fait une grande enquête de satisfaction auprès de nos clients et on s'est rendu compte qu'ils voulaient, en fait, une offre un peu plus diversifiée que simplement les box à préparer. Ils ont aussi fait la demande de plats déjà préparés et aussi d'autres types de plats plus directs, comme des tartes, des quiches. Et donc, voilà les deux activités, en fait, qui sont actuellement ciblées. On a déjà eu contact avec les personnes qui sont à la tête de ces activités. Et on est vraiment très contents. En tout cas, on a vraiment un bon feeling avec elles. Et on sent qu'ils vont, voilà, ils vont donner le maximum pour vraiment nous soutenir. Je ne vois pas trop bien le timing, je suis désolé. Donc, j'espère que je ne suis pas en dépassement du temps.
Et alors, voilà, donc ce sont des projets, faut savoir que les personnes qui sont derrière ces projets, donc pour la maison Romilly, c'est une maison qui a 100, voilà, vous voyez, qui est depuis 1901, donc ça fait 120 ans qu'elle existe. Donc voilà, quand l'arrière-arrière-petit-fils, on a dû le convaincre, voilà, voilà, c'est une famille qui est derrière et qui nous a, qui nous a presque adoubé, c'est comme ça que je pourrais le dire, dans la reprise. Donc, il est sensible à ce qu'on fait, il est sensible aux valeurs qu'on prône, et honnêtement, c'est très gratifiant, pas que pour moi, mais aussi pour l'entreprise et pour les gens qui y travaillent, pour l'équipe qui y travaille, parce que c'est important, de savoir que des gens qui ne sont pas forcément directement en contact avec nous soutiennent. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est appréciable. Et pour Madame Henrard, elle aussi, elle nous a vraiment soutenus dans la perspective du projet. Donc voilà, j'espère que j'ai balayé le maximum, et je m'arrête là puisque je vois que la cloche a sonné. Merci Jabot pour ta présentation. Effectivement, un pitch en 5 minutes, c'est un exercice qui n'est pas évident. Donc pour rappel, Little Green Box, c'est une campagne qui bénéficie du Tech Shelter, qui va se clôturer d'ici mercredi prochain. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir vers nous, vers Jabot, assez rapidement. J'aurais voulu, Jabot, rebondir sur tant la réaction, mais qui amène du coup une question aussi de Alban sur le fait que Little Green Box se porte bien. J'aurais bien voulu t'entendre un instant sur les chiffres justement que tu as dû un petit peu balayer, je pense sont quand même très intéressants à mettre en avant, et tu peux éventuellement assez rapidement donner du coup les perspectives au niveau de la rétribution des coopérateurs, puisqu'on en a discuté récemment. C'est ça. En fait, donc, on est une entreprise coopérative agréée d'économie sociale, donc on a des limites en termes de distribution, comme dans, je ne souviens plus, je pense, c'est Coop qui a signalé. On peut distribuer que 6% au maximum des... Enfin, les personnes qui investissent chez nous ne peuvent bénéficier que de 6% sur leur intérêt, enfin, sur leur capital qui a été libéré. J'essaie d'éviter les langages techniques. Voilà. Donc, voilà. Au jour d'aujourd'hui, ça ne s'est jamais fait, puisque l'entreprise n'était pas profitable, de distribuer du dividende. Enfin, c'est un intérêt, mais c'est du dividende. Dans le futur, c'est quelque chose qui peut être envisageable. On en discute de façon très ouverte avec le conseil d'administration régulièrement. Et donc, il y a aussi des restrictions, on va dire, légales, notamment via le tax shelter. On ne peut pas tout faire dans certains délais. Mais par la suite, l'objectif, c'est de pouvoir justement distribuer une partie des résultats, des bénéfices, en tout cas, dans la mesure où ils sont libres, aux coopérateurs, un taux de 6%. Voilà, ce sera décidé évidemment en fonction des résultats annuels, mais on a des belles perspectives, donc on pense que ce sera quelque chose qui sera faisable. Ok, je te remercie Jabot pour tes explications. Je t'invite à parcourir la question qui se trouve encore dans le chat à ton attention, et je vais donc te sortir de scène pour faire rentrer les deux derniers. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais, Little Green Box est une campagne qui termine la semaine prochaine, le 23, si je ne me trompe pas dans les dates. N'hésitez pas à nous revenir si vous avez des questions d'ici là. Et on enchaîne du coup par une dernière entreprise. The pitch to the well in France, as it Nielsen, on that Frédéric Perfect Vitalis. Frédéric et Cédric, je vous laisse la parole pour clôturer en beauté cette soirée. Si vous êtes prêts, évidemment. Merci Marlène. Bonjour. Alors voilà, je suis Cédric, 43 ans, papa de deux enfants et fondateur de Bobby. Je laisse Cloris se présenter. Goedenavond, ik ben Cloris. Ik ben jong en ik zit al 10 jaar in de productiezijde van de brouwerij. Bonjour, mon nom est Eric. J'ai 43 ans, je suis ravi d'avis de vous pitcher ce soir, Bobby. Et ce que je fais chez Bobby, c'est la logistique, les CRS et les... Voilà, donc le projet Bobby, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un projet... On va travailler sur l'aspect environnement naturel, l'environnement socioculturel et l'environnement économique. Et d'un point de vue environnement naturel, on est une des rares brasseries l'orge autour de la brasserie. Ce sont des terres bio, et donc on cultive, on brasse et on met en bouteille ici chez Bobby.
pas mal travaillé sur les panneaux solaires et sur des stations d'épuration. Ça nous semblait important de minimiser l'impact sur l'environnement. Voilà. Ensuite, on a notre impact socioculturel. Donc, comme vient de dire Eric, la chose importante pour nous, c'est la culture de la terre, de l'esprit, de la terre avec nos champs, et de l'esprit avec les étiquettes Bobby, peut-être ici à l'écran. Nous avons déjà commissionné 16 artistes de milieux différents, et par session, et nous en avons 24 qui arrivent maintenant. Voilà, en fait, l'aspect économique, donc, charte d'approvisionnement, on favorise tout le côté local. Donc, on essaie vraiment de stimuler le tissu local autour de la brasserie. On a aussi une formule de capital ouvert. Vous verrez qu'on a différentes formules pour intégrer des accessoires, vous, membres de l'ITA. L'écosystème, donc là, vous voyez en fait que chez Bobby, il y a déjà pas mal de personnes qui gravitent, qui travaillent chez Bobby. On a déjà 8 personnes qui travaillent sur le CS, la comptabilité et support. On a des partenaires stratégiques, donc on a une agency. On a François-Paul Biondi, qui est notre private investor, qui est arrivé donc début de cette année-ci. On a qui est notre agronome agriculteur qui travaille donc avec nous sur les parcelles pour cultiver l'orge. On a l'ITA ce soir pour le crowdfunding et on a aussi notre banque BOBank qui fait jusque-là un travail formidable et qui nous suit à chaque moment de notre histoire. Voilà, en quoi maintenant la brasserie Bobby est différente effectivement de la multitude de brasseries qui sont en Belgique. La première chose, pour ceux qui ne sont pas encore venus chez nous, chez Bobby, vous allez y voir un concept qui est atypique où se mêle à la fois la production de la bière, mais aussi une plateforme culturelle où des artistes se produisent chaque semaine et aussi un marché. C'est là que tout a commencé et probablement aussi que ce sera aussi notre modèle pour l'export, pour aborder des nouveaux marchés. Alors, comment... Je crois que tu es en mute. C'est... Voilà, voilà, très bien. Alors, comment faire pour... Frédéric est déjà parfois, dans certains lieux, saturé. On a décidé tout simplement de récompenser les makers. C'est-à-dire, je suis un orecaïste, ça fait plus de 25 ans que je travaille dans les bars et je connais un peu le système d'approche de toutes les grandes entreprises qui essayent de pénétrer ce milieu. Donc, on a décidé, nous, d'aller dans le sens inverse et d'offrir aux gens qui font la possibilité de devenir avec nous des partenaires, des associés dans la société. Donc, on a choisi 40 bars qui donnent à Bruxelles, à la Belgique, une amplitude culturelle et qui donnent l'envie d'aller les voir, qui donnent l'envie d'aller chez eux. Et ces gens-là, on a été les trouver, on leur a proposé de devenir partenaires associés avec Bobby. We hebben een nanobrouwerij in Saint-Géry, Café de Zal in het centrum Hartje Brussel, waar we samen gaan werken met mensen, grootheden uit de gastronomie. Alors, la suite, puisque je suis toujours en mute. Pardon, le petit problème technique du direct, on va dire. Comment s'amuser ? On s'est fait 5 bières, c'est une pils, c'est une blanche, une triple, une IPA, et aidez-moi. Et une super piste, mais j'ai dit, bon, pas grave, on en a 5. Et un ovni qui s'appelle la Saint-Géry. On avait envie de continuer à s'amuser. Donc, dans Bruxelles, au mois de septembre, on peut pas encore dire où ça va se trouver, dans des caves, là où ça doit être, on a décidé de faire un lambic. Un lambic qui va être agrémenté des fraises de Ytre. Donc, on reste encore dans le local, on reste avec nos fermiers, on reste avec nos agriculteurs, et on les met tous ensemble avec Bobby pour réussir à faire une expérience un peu folle d'un lambic un peu fou. Attendez, un endroit secret. Tout secret. Donc ici, vous voyez notre branche. Ik ga verder doen in het Nederlands, want ik ben Nederlandstalig. Dus we zijn van het idee, we moeten beginnen met balans, evenwicht. Dus kwaliteit is echt onze milestone. Ook zijn we erin geslaagd om de hoeveelheid, dus de quantity, is ook zeker geen probleem. En logistiek hebben we ook al alles voorzien om de groei te verzekeren. Dus zoals ik daar straks al zei, hebben we de nanobrouwerij in Sint-Georgszalen in Brussel.
We hebben in Itre de microbrouwerij en waar we nu een scale-up aan het doen zijn naar de Bobby 2.0 brouwerij. Dus we, met onze partner zijn we de volumes aan het opkrikken. En waar we bij de 2.0 zeker gaan toespitsen op het groene energie, zelfvoorzienend in elektriciteit, waar we naar, in 2024 naar 50.000 hectoliter per op jaarbasis willen gaan. Voilà, en termes d'investissement, donc, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On a investi un capital de 1,2 million, ce qui nous a permis de construire la brasserie, construire chez Bobby, construire la marque, construire l'appareil logistique. Donc le gros est fait. Aujourd'hui, on ouvre le capital, on vous sollicite membre Lita pour en fait soutenir le développement de la marque. On prévoit sur 2 ans donc un besoin de 780 000 euros à travers les différents buckets, notamment pour soutenir la brasserie, la communication et les ressources humaines. Il y a une partie qu'on demande à Lita, il y a une partie qui sera autofinancée. Voilà, juste pour résumer alors, donc ce qu'il faut retenir du projet Bobby, c'est que c'est clairement un projet durable. On est en mode scale-up, on a terminé la phase start-up. Vous avez en face de vous une équipe qui est complète, qui est soudée, qui a traversé le Covid, donc les tempêtes, on a connu, on est toujours là. Et voilà, donc aujourd'hui, on implémente clairement le marché belge et on pense déjà à l'export. Merci de votre attention. Merci Cédric et Frédéric et Cloris. Effectivement, le son était un petit peu chaotique, mais voilà, on s'y retrouve, c'est les méandres du live, on fait avec. J'aurais souhaité vous entendre à propos de la partie plutôt artistique, étant donné que c'est une des choses qui différencie Bobby. Pour simplement prendre un peu plus le temps pour expliquer quelle est cette partie artistique, comment est-ce que vous les choisissez et qu'est-ce qui est mis en place ensuite. C'est pour toi, Cédric. Merci. Donc, pour l'instant, on a créé 3 sessions. Une qui était, la première session, c'était les illustrateurs et les graphistes. Avec 7 artistes, où on a fait à peu près 50 000, 60 000 étiquettes. Et on a fait une deuxième session maintenant avec le street art. On a pris 9 artistes et là, on a dépassé presque les 90 000, 100 000 étiquettes. Donc, l'idée est vraiment de proposer l'étiquette arrière aux artistes pour pouvoir s'exprimer. On va chercher des artistes émergents. C'est chaque fois un curateur en fonction qui va choisir ces artistes, puisque nous ne sommes évidemment pas maîtres dans ces arts-là. Donc on a choisi à chaque fois des artistes différents. Les nouveaux artistes qui vont arriver sont 24 DJ, puisqu'on ne peut plus aller en boîte. Nous, on a décidé avec ces petites canettes de les mettre dedans, dans une boîte. Ils seront 24. On pourra les écouter grâce à un code QR. Et donc voilà. Donc c'est vraiment le but de promouvoir des artistes un maximum avec en fait un truc qui est très assez simple, qui est une étiquette de bière qu'il suffit de retourner pour s'informer. Merci Cédric. Et du coup, puisque tu parlais de ça, est-ce que tu peux éventuellement dire à tout un chacun où ils peuvent vous retrouver, où vous vous trouvez, où est-ce qu'il y a moyen de venir goûter vos bières? Alors, vous pouvez venir goûter les bières à Au-Hitre, chaussée Nivelle numéro 37 chez Bobby, qui est un marché couvert où on a, encore une fois, on reste dans l'agriculture et on reste dans le local, où on a un boucher, un fromager, un boulanger et une petite épicerie, et puis surtout des bonnes bières Bobby brassées ici, là, pour ces belles cuves à déguster, voilà, ici, tous les vendredis, tous les samedis, enfin, du mercredi au dimanche, pardon, voilà, ce sera plus simple. Et j'ajouterai si je peux que... J'ajouterais que ça fait déjà donc quelques mois avec le Covid. On n'entend pas. Donc après le Covid, on a lancé aussi le retail. Donc vous nous retrouverez certainement dans les Deleuze, dans les Carrefour, tout près de chez vous. Donc on est très occupé sur forcément Bruxelles, Brabant, Wallon. On a déjà attaqué la Wallonie et on est en train depuis 2-3 semaines de travailler en Flandre. Merci. Et alors, je vais clôturer effectivement par une question qui nous vient de Georges. Quelle est la valorisation pré-money de chez Bobby, enfin de Bobby Brewery, pardon. La valorisation, pardon. Pré-money. C'est-à-dire. Avant levée de fonds. Avant levée de fonds. Donc aujourd'hui, l'action, elle est valorisée à 650 euros. Divisée en deux, puisque donc pour l'ITA, on va les diviser en deux, donc 325 euros. D'accord. Et si je ne me trompe pas, vous aviez une valorisation à 1,2 million
Au jour d'aujourd'hui, pour compléter la réponse. Et alors, je voudrais, étant donné que vous êtes les derniers, je prends une minute ou deux en plus, j'aurais simplement également voulu vous entendre du coup sur les conditions de l'offre. Vous faites bénéficier du tax shelter, mais sur un montant délimité, si vous pouviez simplement informer les investisseurs de ce qui est encore disponible. Donc nous, on accueille tous les investisseurs, donc c'est-à-dire avec tax shelter ou sans tax shelter. Au niveau tax shelter, on a en fait une poche de 125 000 euros qui est disponible. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Je vous invite à parcourir quand même le chat si jamais des questions apparaissent dans les quelques minutes qui suivent. Et je vais vous faire du coup sortir de scène pour clôturer. Merci beaucoup. Merci. Bye. Voilà, we zijn er na een uur en een kwartiertje. Hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid. Ik hoop dat het niet te lang was. Ik hoop ook dat het duidelijk was. Het is grotendeels in Frans geweest. Hopelijk is het voor iedereen geweest. Zouden er vragen zijn ook, stel ze zeker in het Nederlands, in het Frans. We zijn er om op te antwoorden. Merci beaucoup à tout le monde qui a été présent. On va clôturer la soirée ici. J'espère que ça a été bien clair pour vous, que ça a été éclairant également. N'hésitez pas à poser encore éventuellement vos questions. Si vous en avez, on y répondra ainsi que les entrepreneurs. Et sinon, vous pouvez toujours nous joindre via le chat. Et je rappelle pour clôturer qu'il y a un live meeting demain avec Marie Poppies sur le temps de midi. Le lien se trouve dans le chat. Et nous avons également un live meeting le 23 juin, également à 12h30, sur les obligations avec Bambino et Aquasport. Je vous remercie donc pour cette soirée et à la prochaine sur l'ITA ou au prochain live. Bonne soirée, au revoir.